D'essayer de me mettre dans le direct. J'ai le problème réseau. C'est parti. Sur le jean. Un test là. Et je regarde ici. C'est comme d'habitude. Matin, c'est pareil. Là, il y a une belle déco. Hein. Super déco. Elle a aussi une super déco. Je te l'avais promis, on est à la, dans la, pas loin de l'espace service, juste ici à côté. Et je vais regarder comment ça passe et si le son est OK. Salut Cathy. Merci Pascal. Le son est faible. Ah ouais, d'accord. Si le son est faible, ça veut dire que le son est faible. Alors attends, je vais faire comme ça. Vais activer l'audio. Voilà, c'est ce que je voudrais faire. Je fais, j'active l'audio. Voilà. J'ai du mal. On n'entend rien. T'es sûr que tu n'entends rien? T'es sûr que tu n'entends rien? Dis-moi la vérité. J'entends que dalle. Pourtant, là-haut, ça me dit que le micro est OK. Et c'est le son. Voilà. Vous ne pouvez rien entendre. Je vais faire plutôt ça. Bouge pas. Je vais m'en sortir. La deuxième. Où est-ce que je lis si tu, si tu entends si tu... Si tu... Micro intégré. Je vais sortir des haut-parleurs. Est-ce que là tu m'entends? Est-ce que là tu m'entends? C'est pas facile hein, tous les jours. Yes, trop faible. Ah, ça devrait être bon. Yes. Non, bouge pas, je vérifie qu'on est bien là. Un peu, je m'en sers là. Ah, 2, 3, 4, 5. Salut Pauli, comment tu vas? Donc, je ne peux pas crier fort non plus parce qu'à côté de moi, il y a des gens qui bossent. Par contre, tu peux me dire si tu m'entends bien. Ça, c'est important. Augmente le son. Comme il y a du décalage, je ne sais pas. Et tu dis que c'est mieux. Ok, tu dis que c'est mieux, c'est très bien. Voilà. Salut.
l'autre qui chante, est-ce que tu m'entends? La room est ouverte, hein, donc c'est lui qui veut rentrer dans la room, n'hésite pas. Je suis descendu dans le nouvel espace service d'Olivier Serre. Je t'avais promis, je t'avais dit que je viendrais ici. Et tu es passé à la télé? Ah, non. Parce qu'il y a mes collègues qui sont en face de moi. Là, moi, j'ai pris le petit coin, tu vois, où c'est très super. Et c'est un coin nature. Tu veux, alors, je te montre pourquoi c'est un coin nature. You see? Ben voilà, il y a un piaf. C'est pour humaniser le truc. La clé Internet aujourd'hui, je suis Powerhub par il à côté. Une liaison ADSL, donc peut-être que ça va déconner. Mais sinon, voilà. Franck, le pilier. Bon, il y a Noël, mais il est juste à côté. Donc Noël, il ne va pas regarder puisqu'il voit le direct. Mais il n'est pas loin, il est là-bas. Oui, parce que Noël, il est là de temps en temps. Salut Pascal, salut Sandra, salut Cathy, qui c'est d'autre qu'il y a? Il y a Paoli, Paoli ça va? Elle est où ta femme de la journée? Tu peux venir? Tu peux, il n'y a pas de problème. Non, non, mais tu peux, on va te voir. Ouais, regarde, la belle gosse. Tu la regardes, je vois. Non, c'est pas pour elle que je suis venu faire la VDF ici, la matinale. J'entends déjà les commentaires. Salut, salam, shalom, team pigeon. T'es dans l'obscurité, tu trouves que tu as tes blagues. Alors, si je suis dans l'obscurité, comment je peux faire pour. Je peux pas. En fait, je peux pas. Pourtant, je suis sous la lumière parce que c'est très clair derrière. C'est pas grave. Suppose que c'est comme ça, on ne peut rien. Les anniversaires du jour. En fait, je te dis ça parce qu'en fait, j'attendais. André devait venir me rejoindre. Et donc, j'attendais qu'il vienne. Comme ça, on fait la matinale à deux. Et en fait, André n'est pas là. Enfin, je ne sais pas ce que le petit, qu'est-ce qui s'est passé. Donc je vais sur Messenger, il voit qu'il a répondu. Alors, hello, tu es loin, il n'a pas répondu. Bon, ok. C'est pas grave. Qui m'a mis un message? Oh putain. D'accord, ok. Voilà, je voilà. Salut la compagnie. Comment va? Bien ou bien? Alors aujourd'hui, on est mardi. Mardi, c'est cinéma. Je pense que ce soir dans les cinémas, il n'y aura pas grand monde parce qu'à 16h, il y a un match et à 20h, il y a un match. Donc voilà, ça risque de faire. Il n'y aura pas grand monde. Joyeux anniversaire à Manuel Roger, à Alex Saint-Massy. Alex Saint-Massy, c'est un beau gosse qui bosse à la. Enfin, je sais qu'il est beaucoup en rapport avec les collectivités territoriales, donc toujours bien. Très bon musicien, enfin bon, bref, voilà, beau gosse. Beau parti, mais je ne sais pas si c'est célibataire. Il va dire, tu fais une publicité d'enfer. À qui est-ce non, à Marine Poupoune, à Eric Henrion, à Lola Ramos. Lola Ramos, j'ai vu quelque chose sur elle tout à l'heure. Je crois qu'elle est du côté de Nîmes là-bas. Joyeux anniversaire à Jean-Marc Tomalik, à Gilda Forel, Patricia Bruno, Elodie Quadio featuring Christophe. Alors là, je ne sais pas. Elodie Quadio, bon, bah, écoute, moi je m'en fous, je vois Christophe, je le prends pour moi. Merci d'avoir mis mon prénom dans ton pseudo, ça fait plaisir. Qui d'autre? Joyeux anniversaire à Cédric Lebourg, à Carole Ferrand, à Sébastien Luton et à Isabelle Gauthier. Voilà. Joyeux anniversaire à vous tous, vous preniez un de plus, c'est super. Et puis, bah. Aujourd'hui, pour une fois, je ne peux pas critiquer, on a un prénom qui existe, un vrai. Tu vois, c'est Thomas, donc c'est votre ami. Voilà, quoi de neuf? Juste un petit point de vigilance. De plus en plus, je vois passer des appels à, comment on appelle ça? Des litchis, des cagnottes, tu vois, pour des tel ou tel truc. Alors, mais évidemment, ça se fait dégager par la modération. Après, on me demande derrière, oui, qu'est-ce que je peux passer? Non, on ne peut pas passer. Il m'arrive parfois de relayer des cagnottes. Mais pas sur le groupe, déjà premièrement. Et deuxièmement, ce que j'ai vu aussi, c'est finalement quelqu'un qui disait, tiens, je vais mettre ça, on va voir si c'est dans la charte. C'est pas comme ça que ça. Tu demandes d'abord et tu mets après, parce que sinon, ben, voilà, les modérateurs sont là pour enlever les trucs, ils perdent du temps, etc. etc. Je t'entends en double, et vous, les amis? Non, normalement, là, tu ne devrais plus m'entendre en double. Que j'ai coupé le deuxième micro. Je vais m'entendre en normal. D'ailleurs, je suis bête. Je vais écouter ici pour voir ce que ça donne. Voilà. Que dis-tu? Je t'entends en double. Non, c'est très bien. Voilà.
Donc là, je voulais te dire qu'on est à la station micro, donc je vais m'approcher du. Je vais te montrer ici. Voilà, ça c'est le sein du sein. Donc en fait, les clients viennent ici, ils déposent leur PC, leur pour réparer. Et moi je suis ici, c'est ça. Ah, il y a Orange Bank qui me dit que j'ai fait un virement. Là, où tu viens, et puis là derrière, c'est là où sont les techs. Donc, tu vois, ici, c'est toute la technique. C'est ici que sont fabriqués les PC bureaux que tu utilises. Et justement, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que le mien, celui-là, il est en train d'être transformé en Windows 10. Oui, j'utilise à fond l'opérateur de l'opérateur, parce que bah, hier, c'était mon Skype entreprise. Au Au niveau du niveau son, du ça son, doit ça être doit être parti au parti moins à là. loin. Et Voilà, je reviens avec mon truc. Donc voilà, ici c'est la station micro. Le beau truc. Alors, je vais m'éloigner, comme ça tu vas le voir de loin. Regarde, pas beau? Orange futé. Là derrière, je te montre pas, il y a des personnes qui travaillent. En fait, là-bas, il y a la salle de bain, la douche et tout. Tu vois, il y a des belles fleurs. Je peux montrer les fleurs sans te montrer. Il y a des fleurs, c'est pas beau ça. Mais... Non, 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 mais attends, les conditions de travail, on peut en parler, mais regarde, il y a des fleurs. Voilà. On se le dit. Bon. Je ne sais pas si ma voix passe aussi loin, parce que je m'éloigne du télé, du machin. Voilà. Donc, retour ici, pour voir les commentaires. Qui dit quoi? Salut Roland. Je pense qu'on se voit très très bientôt, Roland. Je ne sais pas, mais quelque chose me dit qu'on se voit très bientôt. Futé, futé, faut pas pousser. oui, la migration Windows 10, ça y est, elle est déjà en cours, hein, c'est déjà possible de le faire. Qu'est-ce que tu dis, Pascal? Anne Fournier, salut ma Anne, comment tu vas? Diemané qui est là, Olivier Mestrillon, Rémi Formetier, je vois Martine Castelli, comment tu vas Martine? Je suis en bas. Tu viens à la station micro, je vais te présenter la nouvelle station micro. En plus, là-bas, ils sont en train de regarder l'émission en direct. Salut, Edith, va à la plage, à Minorque. Ouais, le son passe, mais assuré, c'est normal, je m'étais éloigné parce que le son, c'est le Bluetooth de l'ordinateur. Donc là, j'espère que c'est revenu bien. Voilà. Donc, quoi te dire d'autre? Pas grand-chose, en dehors de ce petit point de vigilance. Tout le reste, ben, c'est comme ça. On est mardi, c'est mardi cinéma. Ça, je l'ai dit. Je suis en train de me poser la question, vraiment, est-ce que je continue à faire les échanges de code CNV? J'ai l'impression que c'est devenu quelque chose de normal, que ça se passe tout seul. Faut voir comment ça se passe. Quoi d'autre? Ben, rien. Il fait chaud. Il fait chaud. Les matchs, c'est les matchs, mais on est jusqu'à 22h, 23h, on a le temps de rien. Je voulais dire quand même à Isabelle qui m'a conseillé de tenir le choc sur la série Sense 8, que je suis à la saison 2, épisode 5 ou 6, et je suis encore toujours perdu. Je ne sais pas quand est-ce que je vais me raccrocher, mais c'est chaud quand même. Salut Jean-Marc Thématique, joyeux anniversaire à toi. C'est ton dé aujourd'hui. Je te rends compte, tu payes ton coup. Hein, à la cantine à moi. Salut Carole Pruvot, salut. Non, j'étais dit, futé, futé, faut s'en pisser. Pascal, ne prépare pas la migration Windows 10, elle est déjà en cours. Hein. Mais c'est vrai que ça va être. Voilà. Saison 3. Salem, saison 3 est sortie sur Netflix. D'accord. Ah oui, faut penser à s'inscrire. Oui, j'avais oublié de ça. Te parler du road trip des agrumes, hein, qui démarre le 11. Maintenant, on a 8 jours. En fait, on est mardi, la semaine prochaine, mercredi. On décolle. Donc, je te rappelle les choses. Deux personnes, Pascal et moi, une moto, une BM, une grosse BM. Plus de 20 villes en France. Départ le 11 juillet. Un after work par soir. Les after work, je te le donne comme ça. Tarbes, Nantes, Rouen, Paris, 14 juillet, toute la journée. Après, on fait Strasbourg, Lyon et Nice. En fait, ce ne sera pas Nice, ce sera Antibes le dernier. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire quand tu seras présent et surtout sur les villes de passage, comme par exemple à Bordeaux où on sera, lui, sud-ouest, le 12 midi, ou alors à. Où est-ce qu'on sera le 11 midi, on sera à Montpellier et Galéa. Donc tu vois, toutes ces choses-là, faut pas hésiter à s'inscrire. Et puis le 14, grand pique-nique à Paris, à Montsouris. Donc voilà. Compte sur toi, hein. Voilà.
Quelle heure il est? 9h38. Personne ne va rentrer dans la room, là, en fait. C'est l'occasion, hein. Qui est là? Cathy, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Le Pascal, toi, tu rentres jamais dans la room, hein. Abdelaziz qui dit une chanson. Tu crois que je suis venu là pour chanter? Abdelaziz, tu devrais venir voir ici parce qu'ils sont super bien installés. Véronica Legrand, je t'ai dit bonjour. Oui, les gars, ouais. C'était au début, ça n'entendait pas. Ok. Bon, ben, ok, voilà. Bon, on est arrivé à peu près à la fin. J'attendais que comment il s'appelle que comment il s'appelle André passe. Ben, on aurait fait le direct ensemble, mais bon, il a un petit peu de retard, il doit être embêté dans les. Ah, voilà. Comment tu vas? Eh ben ça va et toi? Ah, ça va bien. Je baisse un peu mon son parce que tu es très forte dans mes oreilles. Je vois qu'il fait super beau là-bas Zéro. chez toi. Hein? Ah ouais, je me tiens à l'ombre, il fait une chaleur, c'est magnifique. D'accord. Comment ça s'annonce l'afterwork? Eh ben impeccable, on se fait un petit pique-nique, ça va être convivial, tranquille. On va passer une bonne D'accord. soirée. Tu n'oublieras pas. Voilà, tu n'oublieras pas de nous donner l'adresse qu'on met dans le GPS pour y arriver directement, parce que je crois qu'on va arriver directement à la tournée. Ouais, mais je te donnerai l'adresse, il n'y a pas de souci. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? T'as quelque chose à un petit quelque chose à dire, non? Non, je voulais dire bonjour à tout le monde, joyeux anniversaire à ceux dont c'est le jour, et puis voilà, et puis rappeler à ceux qui ne sont pas encore inscrits qu'il faut s'inscrire pour l'after de Tarbes. D'accord. Alors, si c'est un pique-nique, comment ça va se passer au niveau de comment on paye? T'inquiète pas, chacun amène un truc à manger, vous n'avez rien à faire parce qu'à moto c'est pas Merde, t'as pratique. été Donc on coupé. s'occupe de J'ai tout. pas entendu. Je dis chacun amène un plat à manger, donc vous n'avez à vous occuper de rien. D'accord. Ça c'est comme ça, la bonne franquette. D'accord. Ok, c'est super. Et je suis sûr qu'il va y avoir des moelleux au chocolat pour la suite de la route. Ah ça, je vais négocier avec Nadège. Ok. Ouais. Au fait, je pense lui avoir envoyé les liens pour ce qu'elle m'avait demandé. J'espère qu'elle a reçu et qu'elle a réussi à avoir tout. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah Oui, ben je suis j'en grande. profite. Ouais, j'en profite pour te dire que, bah, pour rappeler aussi aux agrumes qui nous regardent que cette histoire de double poste, c'est vrai qu'on a eu en triple et on supprime. J'ai vu que c'était supprimé sans MP. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens postent sans regarder que ça avait été déjà posté il n'y a pas longtemps. Oui, quand ça vient en Donc, double, il y a en triple, ça. en Et puis, quadruple, c'est le moment. voilà. Donc, maintenant, on ne pardonne plus. Il n'y a plus de pardon. Bon, ben, on coupe direct. OK. Bah, écoute, j'ai hâte, hein, j'ai hâte, mais c'est dans 8 jours. Hein, le premier S'approche. after work. Je ne sais pas si on va tenir. Je sais pas si on va tenir le choc à faire un after tous les soirs. Non, bon, on va faire un truc Non, tranquille, mais. pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas de musique. Tu Ou alors, nous au connais, dans calme. le sud-ouest, on n'est pas du genre à se coucher tard. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait. Ok, bah écoute, je te remercie. Je te fais un gros bisou. Est-ce que tu as vu que tu étais dans le palmarès? Hein? Mais oui, c'est pas moi, c'est un de mes postes. Non, mais tu es 2 fois dans le palmarès. Tu es 1 fois dans le palmarès Ah. pour tu as 2 postes qui ont super bien marché. Non, j'en Ben avais vu oui, j'ai qu'un. Je regardé ça regarde parce que plus attentivement. ah ben regarde, je crois en 8e ou en 9e position, tu as un autre poste qui a bien marché. Donc bravo, hein. D'accord. Bravo, bravo. Okay. Bon ben écoute, je te fais un gros bisou, je te dis à très bientôt. Et puis Bye bye. profite du soleil. Bye Ça roule. bye. Bonne journée. Bye bye. Alors, quel orage cette nuit? C'est du côté de Lyon avec Manolo. Ah oui, bonne nouvelle, on a trouvé un hébergement à Rouen. Donc à Rouen, on sait où dormir. Donc il nous reste maintenant incertitude sur Strasbourg et sur Lyon. Alors, on aimerait bien trouver quelqu'un qui nous héberge. On est 2 garçons avec une moto. Nono, il y a eu le truc chez toi. Yann. Pour Lyon, si je veux des moelleux, ben, écoute, viens à Tarbes, tu auras des moelleux. Sinon, on t'en ramènera. Mais le temps de passer de Tarbes le 11 à Paris le 14, les moelleux. Ils vont pas traîner. Salut Annick, salut, salut Gis. Sur l'île, le road trip. Alors, on est à Lille, on est en fait à Villeneuve-d'Ascq le 16 au matin. On fait la matinale à Villeneuve-d'Ascq. Voilà, what? Je te le dis.
Bon, ben, c'est bon. Salem, saison 3 est sorti sur Netflix. Bon, très bien. Bon, ok. Bon, bah, ben, écoutez, happy birthday à tous. On profite bien de la journée. On se retrouve demain matin pour une autre matinale, ben, comme d'habitude. Hein, la matinale, c'est tous les jours. Demain, j'ai envie de faire une matinale spéciale réunion. Les matinales spéciales run, ce sont les matinales qui commencent 2 heures avant. C'est pas possible. Regardez. Regarde qui c'est. Elle me suit à la trace. C'est Sonia. Quand Sonia est quelque part, en principe, c'est qu'il y a assez du chaud. Plus là, elle s'est bien habillée, elle a mis des bijoux et tout. À mon avis, elle doit rencontrer ou Esther ou très haut là-haut. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, demain, peut-être ce matin, à l'heure de la réunion. Ça veut dire 2 heures avant. Ça veut dire à 6 heures. Seras-tu là? C'est pas dit. Allez, bye bye. Je ne sais pas comment c'est pour couper. On dit bye bye, déjà bien. Je coupe ici. Fermez la conférence à tout le monde.